Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Allez. Il arrive vraiment au mauvais moment, lui, encore. Parce que là, on est congelé, là. On est complètement congelé. Hey, c'est ce que je dis. Je sais. Attends. Technique. Ok, je peux me mettre là. Je lui mets des flèches, hop, je me mets derrière. Ok. Ça a l'air d'être d'une technique. Ok, ça a l'air d'être une technique. Viens ici. Vas-y, Toré. Toréador. Ok. Monte. On joue. On tire. Ok. Deuxième flèche, j'ai dit. Putain. Elle est ultra lente à bander l'arc. En fait, c'est pas genre tirer. C'est que. Mets du temps à réagir. C'est extrêmement chiant. Oh putain, tu vas où? Merde. Ok, on va faire là. Ah, où tu vas? Ah, attends. Merde. Hé, bande-le. Oh, mais bande-le ton arc. Fais chier. Elle est où ma flèche? Oh, putain. Oh, mais je casserai un truc. Genre, il y a un putain de délai à la con, en fait. Il est où? Je l'entends. Il est où? Je crois qu'il est derrière ces rochers, là, mais... Si, en fait, elle tire... Il faut attendre genre 3 ou 4 secondes avant que elle puisse rebander alors que j'appuie, hein, que je... Il arrive. Et là. Ok. Là. Putain de merde. Non. Ça fait 2 flèches. Il est en train de s'épuiser. Et moi, je suis en train de geler. C'est cool. Moins 30 degrés. Mais t'es sérieux. Si elle savait bander un arc plus rapidement aussi. Oh la vache. Oh, yes. Oh, on l'a eu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles font, mes flèches? Ok. T'as été chassé par je sais pas qui, parce que là, t'as un peu plus de flèches que prévu, non? 43 kilos. 12 boyaux. Ok. 2 heures pour le couper. Ok. Ok, pas mal. On va rentrer. Alors là, faut voir ce qui s'est passé parce que... Je suis tombé, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Entorse à la cheville. C'est tout? Je crois que j'ai des vêtements qui ont été déchirés, non? Non. Ça, on n'a pas fini. Ok, on est bon. Putain, on n'arrive pas à marcher. Alors, il faut boire une tisane rouge, je crois. Donc la rouge. Médicinale.
Ah, très bien. Ah, ok. C'est magique. D'accord, c'est magique. C'est la médecine au Canada. C'est très très efficace, hein. Attention. Alors là, on parle pas. Là, c'est extrêmement efficace la médecine au Canada. Ah, les flèches, elles sont. Je crois entendre un loup. Les flèches, elles sont tombées. Très bien. Très très bien. Plume. Oh, flèche encore. Très bien. Ok. 2 heures, ça fait trop. 43 kilos de viande, c'est un truc de malade. Une fourrure en entier. Ok, mais il fait trop froid. Ok, ça marche. Il faut qu'on aille récupérer du bois. J'ai l'impression qu'on a récupéré un peu plus de flèches que prévu. J'ai l'impression que... En fait, des flèches sont tombées de son corps. Il y en a un peu trop, on va voir. Normalement, j'en ai 6. J'en ai plus, là. 5, 6, 7, 8, 9... Quoi ? 68%, 51, 73... Ok, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques... ok. Ouais, un peu étrange. Bon, on va crafter, on va perdre du temps pour qu'on se réchauffe. Apparemment, j'ai eu des flèches en plus, apparemment. Ok. Tant mieux. Ok, on est bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre du bois maintenant. On va aller voir. S'il fait bon temps, on coupe la peau déjà. Moi, je voudrais bien... Moins 15. Ah, moins 15. Non, c'est moins 15, on peut. Non. Enfin, ça fait beaucoup quand même, mais... Hop, là on a l'abri. 50, 30. Oh, très très cool. Vite, 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 vite. Yes. Oula. Ça va, j'ai compris, ça va. On a un élan. On a la peau de l'élan. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Four d'élan fraîche. Peau d'élan collectée récemment. Peut servir une fois séchée. Pendant 10 jours, il faut la laisser. Ok. Oh, waouh, c'est grand. Putain, c'est genre un... un matelas. Pas un matelas. Un tapis. Un tapis. C'est cool, c'est énorme. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors ça, on en fait des manteaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les loups en fait? Ça c'est l'ours. Ça c'est fourreur d'élan. Ouais, ça c'est... Ouais, on prend ça. Ouais, on aura un manteau. Après on a la cape. Cape en fourrure, elle est lourde mais protège bien de la faune hostile. Et très imperméable. Un précieux trophée. Une cape en fourrure d'élan. Intéressant. 3, 5, 4. Après, on a ça. Une sacoche simple en peau d'élan. Allège le fardeau du voyageur épuisé. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut 30 heures pour la faire, là, 10 heures. Moi, je dirais la sacoche. Mais bon, la cape, elle a l'air intéressante. À la limite, la sacoche, elle peut attendre. Enfin, on s'est débrouillé jusqu'à présent. Sans sacoche. On va pouvoir se débrouiller sans encore un moment. On est d'accord. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je déduis les choses comme ça. C'est que, bon, personnellement, je voudrais bien avoir plus de...
plus d'inventaire, ça oui, je dis pas non, mais mais bon, on s'est débrouillé comme ça jusqu'à présent, donc je vois pas, je pense qu'on n'aura pas vraiment l'utilité. Et il va te faire de plus en plus froid, donc en toute logique, on devrait faire la cape. Voilà. En toute logique, la cape gagne. Alors on va finir ça. Par contre, on... Merde, c'est fini? Ah non, on a le truc, il est usé. Voilà, on a les bottes. On passe de 1, de 2 quoi, de 5, hop. Parfait, jeter. C'est des bonnes chaussures ça, on les garde, hein, mais voilà, on a mieux. Hop là, voilà, très bien comme ça. Ça c'est pour faire quoi le jeune boulot séché, je me rappelle plus. Ça fait des flèches. Ah oui! Ah oui, tiens, c'est fini, c'est bon ça aussi. Huh. J'avais pas vu. J'ai dû le mettre là, mais après j'ai complètement oublié de le prendre en fait, complètement oublié de l'utiliser. Ok. Est-ce qu'on peut faire des flèches? 53 minutes, très bien. On va faire ça. Ok, parfait. Et on peut faire des flèches. On a 3 fûts de flèches. Ok, très bien. Je voudrais un peu aiguiser mes outils. Enfin, je sais pas si elle peut aiguiser dans le noir. D'abord, on va créer les flèches en premier, c'est le plus important. Transférer tout. Sont où les poisons? Là, là, hop. 1h05, ah putain, quand même. Impossible, évidemment. Donc, bah là, je l'ai dans les fesses, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bien tout fait ça, j'ai dû perdre 1h20. Je l'ai dans les fesses, voilà. C'est parfait. Mauvais état, on va le mettre là. On a du jeune érable séché ici. Ok, je voudrais... aiguisé. Dis-moi qu'elle peut le faire dans la nuit. Yes. Ok, aiguise. Très bien. 82%, c'est très bien. La hachette. Parce que la hachette, je l'ai beaucoup utilisée en fait. Vous avez vu un peu toute la bouffe, toute la nourriture qu'on a récupérée sur le machin? Il y a quoi, 30 kilos, 40 kilos? Putain, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Bon, par contre, j'ai failli crever, hein. Plus d'une fois, hein. Le truc, il a failli me charger. Et après, je suis tombé, je me suis jeté du rocher pour éviter sa charge. C'était presque la mort, hein. Mais bon, ça valait le coup. Là on va faire la cape. On a combattu des loups, on a 4 loups, on va faire le manteau. Je vais le faire encore 2 fois. On va faire le manteau. Point de vue nourriture, bah alors là, on est tranquille quoi. Mais là, il va falloir faire un feu pendant 5 ans. Hein. C'est un peu abusé quoi. C'est un peu abusé. Ah, va faire un grand feu quand même. Bon, par contre, il faut vraiment que je récupère de la vie, moi, parce que là, je commence à... On est quoi? On est à 21%, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais, ça. Bon, après, on risque plus rien maintenant. Il n'y a plus d'hostilité, plus rien, donc ça va. Il n'y a plus d'animaux hostiles, là.
là, là c'est bon. On boit. Et on dort très longtemps. Tu m'embêtes, on va manger ça. Voilà, comme ça on fait 10 heures. Non, 11 heures. Oh, I need to find food. Ok, on se lève. Ça se passe bien, ça va. Alors je dois avouer, je sais pas vraiment comment je vais encore récupérer toute cette nourriture parce que... Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, ça va pourrir. Si on la prend pas, je crois. Donc il faut la prendre. Mais ouais, ça, putain, mais on va, ça va prendre des heures. Ça va prendre des heures et des heures à la récupérer la nourriture. C'est incroyable. Ok, bon, bah on y va. Non, attendez, on va. Pff, oh vache. J'essaie de m'enlever le plus possible de poids. Ça, on va mettre tout ça par terre. Non, on va peut-être pas mettre ça par terre. Eh merde, mince. Ah, ouh, yeah. Hop là. Pointe de flèche. L'effet de flèche. 3. Les flèches à flash simple. Ok, ça c'est bon. On a la lampe par terre. Je. En fait, j'essaye de perdre le plus de poids possible. Qu'est-ce qu'on peut... Des gros trucs en fait. Des objets. Ça. Ouais, c'est bon. On est à 20 kilos. On récupérera ça après. On va prendre de l'eau. Plein de bois. Alors on va essayer de faire... alors l'élan en premier. Alors l'élan, je pense que c'est de la... De la bonne viande. J'espère. Et après, ben, les loups, si on a le temps. Par contre, ce serait bien de récupérer tous les boyaux, ce serait cool aussi. Putain, ça nous ferait plein de fils et tout, ce serait terrible. Parce que les boyaux, une fois séchés, c'est bon, ils pourrissent plus, quoi. I'll take it. Je crois. Enfin, on s'en fout, on les change en fils, si on en a vraiment besoin. Ça, c'est bon. À 10. Voilà, on va quand même en garder. On va regarder ça à la maison, allez. C'est bon, on y va. Parce que bon, j'ai pas trop envie de tout utiliser non plus, mais bon. Enfin, on y est là. Moins 21. Je me demande si un autre élan va venir. Je sais pas trop comment ça se passe en fait pour les élans. Parce qu'on avait vu que... On sait que les loups en fait viennent. Reviennent de temps en temps. On a des nouvelles meutes. Mais pour ce qui est ours et élans, je sais pas trop en fait. Ok, tout est gelé. Ou alors on pourrait le couper et le... On le coupe parce que, attends, alors, imaginons on doit prendre la viande. Oh la vache. Ouais, non, c'est débile, non, c'est complètement con. Là. Non, il faut découper les paquets et les faire des va-et-vient et les ramener à la maison en fait. C'est débile. C'est débile ce que je veux faire. Damn it. So hungry. Ça par contre les loups on peut récupérer la viande direct, ça c'est pas un problème.
Mais là, prendre la viande de l'élan, ça va pas la tête. C'est, ça va nous prendre. Ça va nous prendre au moins 20 heures. Hein, enfin, je crois. Un truc de fou. Ouais, non, là, il faut faire des sacs là. Faut tout découper et on fait des vibes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est proche de la maison. Enfin, de deux maisons. On a notre camp et l'autre côté là. 50. On a notre camp qui est juste là et on a cette maison qui est juste là. C'est cool. Hop. Là, je suis protégé. Oui, non, oui. Did I say I hate being cold? Because I really do. Je vais rien dire. Ah merde. Peut-être de ce côté alors. Non, non, non. Oh la vache, tu me fais pas ce coup là. Me fais pas ce coup là. Genre c'est en pente, tu veux pas faire du feu parce que là, là je te défonce quoi. Ok, cool. Maintenant on croise les doigts, mais alors très 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 fort pour qu'il n'y ait pas de vent. Il faudrait pas de vent pendant à peu près 3 heures. À peu près 3 heures, comme ça on est tranquille. On va tout découper. On amène tout à la maison. La maison là-bas, là. La plus proche. Ah, mais on se débrouille. Ok, très bien. Voilà. Encore 10 degrés. Encore un peu. Voilà, 20 degrés. Ce qu'on peut faire aussi, alors ça c'est très risqué de faire ça, c'est d'alimenter deux feux, comme ça ça les dégèle en même temps en fait. Mais bon, ça c'est débile quoi. Enfin c'est débile. On peut le faire, hein, mais... Alors les boyaux, ça serait 27 minutes pour un. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais strictement rien. On en a pendant pour 2 heures. On va faire un feu un peu plus fort, je pense. 1, 2, 3, on est à 23 degrés. 23 degrés. On est à 4 degrés, ça va. Allez, c'est parti. Ah oui, j'avais un doute en fait. J'étais pas sûr qu'il fallait la dégeler à 50%. On va faire un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu là-bas? Est-ce qu'il faut les dégeler ou pas là? Pas vraiment. Eh, quand même, hein. 41 minutes avec ça. Oh, ça va. Ça va. C'est juste du feu. On fera du feu après. Parce que si on perd, s'il y a du vent, on perd les deux feux en fait. Alors, te brûle pas non plus. Voilà, allez, découpage. Ah, une hachette. Très bien. Oh la vache tout ce qu'il y a. Ferme. Ok. Nobody needs this anymore. 9 kilos, ok. On a combien de kilos?
36. Non, attends, attends. Je sais. Je suis au courant. J'ai jamais eu autant de nourriture. Ok, il n'y a pas de feu. Pour le moment, c'est bien. Il n'y a pas de vent, pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est un truc de fou, ce qui s'est... C'est un truc de malade, ce qui est en train de se produire, là. Alors, on va le mettre là. De toute façon, c'est tous les mêmes. Voilà, c'est tous les mêmes. J'ai envie de manger pour pas trop qu'on... Pour qu'on perde de la vie, en fait. Voilà. J'ai peur en fait que toute cette nourriture qu'on a, bah, elle tourne au bout d'un moment parce qu'on n'arrive pas à la manger. Enfin quoique là non, ce serait débile si je la mangeais pas. Là, ce serait complètement con. Faut vraiment que je le fasse. Ok, moins 12 degrés, on va se réchauffer. Hop, prends ça. Hop. On va les découper à la maison. Oh la vache. Ok. Deux à la fois, ça suffit. Ok, très bien. Alors je pense que je vais complètement zapper quand je ferai les sacs. Hein, parce que ça prendra trop de temps. Il y en a tellement de la bouffe. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça sert à rien que vous me regardez le faire. Par contre, là, on a encore 2 heures de feu. On va en profiter. On va commencer à les cuire ici. Puis après, une fois que le feu sera bientôt mort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et qu'on va changer le feu d'endroit. On va là-bas, près de la maison. Viande d'élan. Maigre, l'élan dégage une forte odeur de gibier. Ok. Ah putain, ça tue. Ah, ok. Elle est à 53%. C'est bien. Alors, il y a un truc à faire, c'est que 53%. Quand vous cuisez, je sais que ça vous donne... Ça vous donne 50%. Qu'est-ce qu'on fait? On la cuit ou pas direct? C'est seulement 3%. Je sais pas. Ah, je sais. Pff, ah, on va voir. Parce que quand on la cuit, ça vous redonne 50%. Donc là, on perdait en fait 3%. Vous voyez ce que je veux dire? On va la cuire. Allez, pas grave. Comme ça, j'en aura d'avance. Mais je vais pas tout cuire. De toute façon, on n'aura pas le temps de tout cuire. Par contre, c'est bien de la viande non contaminée. Hein, d'accord. 1000 et quelques. Oh la vache. Meilleure qu'elle en a l'air. Oh mon dieu.
truc de fou. Mais jamais on va manquer de... Mais c'est énormissime. Allez, on cuit ça là. On change le feu. Ah merde, pas encore. Fait combien là? Moins 5. Ah, ça va. C'est parce que c'est gelé. Non. Non, 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 non. Équipe. Non. Est-ce que je suis protégé là? Pas vraiment en fait. J'entends. Il y a un truc à ma gauche. Il y a quelque chose. Un ours ? Non. Why didn't that work? Oh putain. Oh merde. Il manquait plus que ça, super. Il me faut du petit bois, j'ai pas de petit bois de la blague, la grosse blague. J'ai pas de petit bois, putain. Ah, il est parti. Fou. C'est bizarre, je pensais avoir du... Des têtes de massettes. Des tiges. Non, des têtes. Apparemment, j'en ai pas. Ah, je les ai... Je les ai déposées, peut-être. C'est possible que je les ai enlevées. Il y a bien, bien longtemps. Bon, on va avoir plein de... Plein de fils... Là, on récupère la viande encore, pourquoi pas. On va peut-être pas tout prendre. Oh, yeah. That's a good one. On a 1h30. Et rentre. En fait, je vais attendre que les machins, les corps se dégèlent en fait. Je sais pas quoi faire, j'ai trop de viande. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'ai jamais eu ça de ma vie. À la limite, je devrais le faire à la main, à l'intérieur à la main. Comme ça, on est tranquille.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça y est, on peut. Ah, j'ai tout enlevé. Je voulais pas tout enlever en fait. Je voulais en laisser pour que les oiseaux continuent à venir. Et vous voyez, parce que là on les a laissés brûler, enfin un peu pourrir, et du coup la viande elle est presque morte. Donc il faut tout cuire vite. Encore une heure, ça va. Alors je viens de dormir un petit moment parce que Torres elle en pouvait plus, et le but du jeu là, notre petit jeu, ça va être de cuire la viande, cuire le plus possible de viande, car en fait elle commence à tourner déjà. On en a tellement. Bon là ça marche bien, là on a des trucs, là ça va. Mais en fait, on a encore plein de sacs et il faut vite le faire. Il
Faut commencer à vite parce qu'ils sont déjà à 38%. On va en perdre, on va en perdre. On va complètement en perdre là. On va en perdre totalement de la viande. Donc ça c'est un peu emmerdant. Je devrais le faire à l'extérieur si si jamais il fait beau. I wonder if I can drop any of this gear. Moins 20, non. par contre, c'est énorme, c'est énorme. L'élan est énormissime. C'est 1000 et quelques par viande. C'est incroyable ce qu'on a. Là le couteau il sert là le couteau par contre. Hein, putain. Donc on va rentrer, sortir, je fais les trucs, je pose les viandes par terre sur le sol, puis après on va faire un grand feu. On va brûler tout ce qu'on a. Et on va essayer de tout cuire pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais vous voyez que ça va très vite là. Alors à la limite je suis en train de me dire, mais normalement non, est-ce que ça aurait été pas mieux de le laisser sur l'élan? Je crois que non, car en fait tout va plus ou moins pourrir en une fois, en un coup, si on le laisse sur l'élan, si on prend petit par petit en fait. Donc avoir des sacs, et puis de toute façon c'est trop risqué, c'est trop dur d'avoir un feu à l'extérieur, c'est trop dangereux, donc ça vaut pas le coup. Là on est bon, là c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Là c'est beaucoup mieux. Là on est tranquille, il n'y a aucun problème. Voilà. En plus ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on coupe de la viande, ça nous donne de l'expérience. C'est comme si on la récupérait en fait sur un sur une carcasse. Et je crois que même si par exemple on prend... on va pas le faire parce que ce serait un peu triché, mais genre on prend genre 0.5. Et on le fait à chaque fois comme ça, 0.5, je crois que ça donne de l'expérience à chaque fois. Genre petit par petit. C'est pas par rapport au nombre de viande que vous récupérez, je crois que c'est par fois que vous pouvez le faire en fait, je pense. Mais je suis pas sûr. Ok, dernier sac. Man, I'm not sure I can carry much more. J'aurais pu le faire à l'extérieur celui-là. Pas grave. 43 minutes, top là. Et voilà. Il y a moins 15. Par contre, la blague, on va manger parce que là... Oui, enfin là, c'est débile, là. Là, il faut pas s'en priver. Oh, ça reste bien. Ça reste bien longtemps. Là, on en a pas mal, en fait, de côté. Donc, on prend. On va manger le poisson. Et voilà. J'en ai pas mal à 1000 et quelques. J'en ai 6 ou 7, un truc comme ça. 100%, 99%. Donc, c'est parfait. Donc, c'est vraiment parfait. Là. On a beaucoup de viande, 35%. Ouais. Ok, c'est l'heure de faire le feu. Et on va faire que cuire là. On va pas s'arrêter là. Par contre, elle est un peu fatiguée, c'est ça le gros problème. Mais bon, on va pas bouger. Donc bon, on va pas être non plus super fatigué. Vous voyez, elle va pas se fatiguer.
Ah, j'ai pas du café. Ah oui. Ah, on fait ça, allez. Ah, très bien. Ah oui, là par contre ça vaut le coup parce qu'elle reste plus longtemps debout, j'ai pas besoin de dormir. Parce que plus on attend, en fait le problème c'est ça, c'est plus on attend, plus la viande elle pourrit. Alors on gagne encore 50% quand on la fait cuire et après elle pourrit en fait ultra lentement quand on la laisse dehors et qu'elle est déjà cuite. Mais... là, c'est qu'on perd du temps. Là, il faut les cuire. Et ça va prendre du temps de les cuire. Donc, j'ai pas envie qu'elles dorment pendant 4 heures encore. Quoi. On a déjà perdu 6 heures à peu près. Donc, j'ai pas envie de ça. J'en ai sur moi ou pas? Non. Ok. Donc là, on va les faire. 1, 2, 3, 4, 5. Je les prends au hasard. Je vais perdre trop de temps à vérifier les pourcentages, les meilleurs, etc. Faut pas exagérer non plus. 33, voilà. Ça fait à peu près 5 minutes. Non, 10 minutes. Je crois. Voilà, on est à 48. Ah, plus de 10 minutes, hein. Un quart d'heure, 20 minutes en fait. Ça va, elle se fatigue ultra lentement. C'est bien, c'est bien. Bon, on se revoit après quand j'ai fini de cuire tout ça.